Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Koulibaly, Sadio Mané, Aissou Corline, Koulen Bagn, Do, Ndeki. Donc d'abord, il y a le mousel du coronavirus. On a respecté les mesures d'hygiène et de confinement pour mener faire donc jangre bobu di coronavirus. Donc Koulibaly, Sadio Mané, fallait jouer la saison prochaine. En tout cas, ils font partie des joueurs les plus cotisés du monde. Donc Koulibaly est donc ciblé par le Barça, Manchester City, Real Madrid, donc Manchester United, surtout le Paris Saint-Germain. De même que Sadio Mané, Real Madrid l'a gagné annoncé avec insistance, mais quand même avec le départ probable de Neymar, il se peut que Paris Saint-Germain tek ci xaliss bu bari pour mën ko indi Paris, donc la capitale française. Motax il se peut que nous avons la colonne vertébrale du Sénégal au Paris Saint-Germain. Koulibaly en défense, Gana au milieu et Sadio en attaque. Donc il se peut que nous formions même colonne vertébrale. Folletier, Paris Saint-Germain, et c'est à cause de qui? De Leonardo. Donc Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, ancien joueur du Paris Saint-Germain et champion du monde avec le Brésil 1994. Ça, c'est un peu d'histoire. Donc veut recruter Koulibaly et Sadio Mané. Donc Koulibaly, c'est logique parce que Thiago Silva est vieux et il va vers la retraite ou bien il va vers un départ. Donc Sadio Mané aussi, c'est logique parce que Sadio Mané veut donc pourrait quitter le club de Liverpool, soit pour le Real Madrid et pourquoi pas pour le Paris Saint-Germain, parce que Neymar est en partance pour un retour donc au FC Barcelone. Donc il se peut que nous remplaçons par Sadio Mané. Donc rebondissement ces derniers jours avec Leonardo qui vise un autre Sénégalais, Sadio Mané, parce que nous savons que Leonardo il veut rencontrer donc d'ici quelques jours, la situation coronavirus évolue en Italie. Donc Ramadani, c'est l'agent de Koulibaly. Donc nous savons que Leonardo il connaît le marché italien. Moi, indi Zlatan Ibrahimovic, moi indi donc Verratti, moi indi Pastore. Donc il connaît bien, moi indi Thiago Silva. Donc il connaît bien le marché italien. Donc pour Paris, n'allez indi Koulibaly, warning ko gum. D'autant plus que prix Koulibaly d'avoir watché de 150 à 70 à 80 millions d'euros. Côté Sadio Mané, il faut débourser 160 millions d'euros pour recruter Sadio Mané. En tout cas, c'est ça le rêve. C'est ça le rêve de Leonardo, regrouper Sadio Mané, Koulibaly et Gandagay au Paris Saint-Germain. Est-ce possible? Est-ce pas possible? En tout cas, mon tractation et mon def comme la carte pour dire recruter Koulibaly et Sadio Mané. Beaucoup bolé idée sa Gandagay, lors de la colonne vertébrale du Sénégal. Donc c'est pour dire que les joueurs sénégalais ont une cote au niveau du marché des transferts mondial. Donc Mugane Ndiaye, warul tir, warul ragal. Est-ce que Leonardo va réaliser son rêve, son mebet? C'est-à-dire recruter le duo Koulibaly, Sadio Mané. Réponse dans quelques semaines. Sadio Mané, Koulibaly. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à votre compte Instagram Grégoire et page Facebook Grégoire Omnisport. Donc, vous avez dit, 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 vous av